Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Investiguez. Lisons Néhémie 9, le verset 30, Romains 15, versets 5 et 6, 2 Thessaloniciens 3, le verset 5, Habacuc 2, le verset 3, Jude 16, 2 Pierre 3, le verset 19 et Matthieu 5, les versets 33 à 36. Néhémie 9, verset 30. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille, alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Romains 15, versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Habacuc 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jude 1, verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Matthieu 5, verset 33 à 36. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Remue Ménège, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets aux promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Jacques 5, les versets 7 à 12? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage.